Et salut tout le monde, c'est Immortal et bienvenue sur Hitman 2. Je vous présente un contrat escalade à Miami qui s'intitule La Vengeance Aquatique. Donc en fait, je vais vous montrer les trois niveaux. Voilà, une escalade au complet. Alors pour cela, il faut s'infiltrer du coup donc dans le bâtiment de Kronstadt, aller vers l'aquarium, récupérer un poisson qui va nous permettre de neutraliser les deux agents de sécurité qui sont donc à l'intérieur, et ensuite, une fois qu'ils sont assommés, les jeter dans l'un des aquariums, ce qui va les éliminer, bien entendu. Alors, on commence déjà par s'équiper de son pistolet et on va tirer dans l'un des aquariums. Et voilà, on va récupérer un poisson. Et le truc que je tenais à vous montrer, c'est que vous pouvez prendre. Vous pouvez frapper par surprise vos ennemis, ça passera en assassin silencieux si vous êtes assez rapide. Voilà. Donc là maintenant qu'ils sont neutralisés, on les jette dans l'aquarium. Donc encore une fois, tout dépend de votre rapidité, bien entendu. Il faut les frapper de plein fouet. Ou sinon, bah, vous attendez quelques secondes de temps de les, on va dire, de les attirer autour des aquariums et puis vous les. Avec des pièces par exemple ou d'autres items, et vous les assommez un par un. Vous pouvez faire ça petit à petit, ça marche bien entendu très bien avec cette solution, on va dire classique. Hein, voilà, donc là maintenant, bah, écoutez, on quitte le niveau pour passer ensuite au niveau 2. Voilà, donc c'est une escalade que j'ai trouvée assez simple, et donc je me suis dit pour ceux du coup qui n'ont pas trop l'habitude de faire des escalades, parce que bon, ça peut toujours être utile pour augmenter notre taux de maîtrise en fait dans la destination. Voilà, certaines escalades nous donnent la possibilité de débloquer des objets. Donc là, on a des complications donc supplémentaires, donc du coup pas de changement de déguisement, et on doit également du coup attirer, assommer un troisième agent de sécurité et bien sûr le jeter aussi dans l'aquarium, tout comme les deux premiers. Donc voilà, donc ça c'est donc le niveau 2. C'est donc le niveau 2. Donc je commence toujours en face de la fontaine. Donc on fait pareil que tout à l'heure, on va se diriger donc vers l'aquarium. Mais du coup, il y aura une petite subtilité pour attirer du coup notre troisième cible du coup rapidement, hein, parce que sinon, on peut le faire éventuellement à l'ancienne, mais ça peut être un petit peu plus long. Donc là, dans un premier temps, on détruit encore l'aquarium, on récupère un poisson. Là, bien sûr, ils ont entendu l'aquarium se casser. Donc du coup, bah, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt les neutraliser d'une façon, voilà, plus furtive. Et on les jette dans l'aquarium, l'un après l'autre. Ouais, de quoi faire manger les poissons, quoi. Hein. Alors, je pense qu'ils sont pas assez bien nourris, hein, de toute façon. Donc, un petit peu de chair humaine, ça leur fera pas de mal. Ils sont bien contents. Miam miam. Donc ensuite, on va s'occuper de notre troisième cible. Donc la petite subtilité, on va s'équiper tout simplement d'un pistolet donc qui n'est pas silencieux. Et on tire dans la porte. Voilà, c'est donc la porte par laquelle il va passer. Donc du coup, l'un des civils va avertir l'agent de sécurité et il va venir jusqu'ici. Voilà, tout simplement. On a juste à attendre qu'il vienne, on le neutralise, on le balance dans l'aquarium et on s'en va. Mais voilà. Ouais,
Voilà, on le balance tout doucement. Et maintenant, c'est parti, on peut quitter le niveau. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même assez simple à réaliser. Après, bon, bah voilà, y a d'autres façons qui sont peut-être un peu plus longues, mais bon, vous pouvez arriver à vos fins tout de même. Voilà, donc là, on quitte le niveau tranquillement. Et donc, on va passer au niveau 3. Troisième niveau et dernier, du coup, de ce petit contrat escalade. Allez, c'est parti. Donc là maintenant on a la complication donc, qui s'appelle Big Brother, donc il y a des caméras en plus, en fait, des caméras qui ont été ajoutées justement à l'aquarium, à l'extérieur et à l'intérieur. Donc du coup, il va falloir faire attention et donc passer par un autre endroit. Et ensuite, bah, le mieux c'est carrément de détruire les caméras avec votre pistolet. Et de faire comme par la suite, comme les deux. Vous voyez, il y avait la caméra là, à l'entrée. Donc là, le mieux, c'est de faire le tour. De passer ici par derrière. Si vous avez votre brouilleur à usage unique, bah, du coup, vous pouvez ouvrir la porte là directement, ce qui vous évite d'aller chercher une carte d'accès dans le niveau. Et de gagner du temps pour cette escalade. Donc là, on va gentiment en fait détruire les caméras. Et de une. Et de deux. Et de trois. Voilà, on récupère le poisson dans l'aquarium. Enfin, par terre. Et on va s'occuper gentiment de nos deux têtes de queue à la noix de coco. Allez, tiens, tac, tac, c'est parti. Surprise, motherfucker. Allez, hop, on en met un dans l'aquarium. On prend son arme si on le veut. C'est pas forcément nécessaire, après tout, pour cette partie. Et on peut ensuite balancer son collègue à la flotte aussi. Alors maintenant, bon, on va reprendre l'un des pistolets, du coup, d'un agent. Et faire la même chose, on va tirer dans la porte. Allez, c'est parti. Voilà. Bien sûr, donc, l'impact de balle, du coup, repéré par un civil. Et il va, comme tout à l'heure, aller prévenir l'agent de sécu qui va venir jusqu'ici. Et on va lui balancer gentiment ce petit poiscaille sur le coin de la tronche. Ah 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 ah. Allez mon gars, un petit bâtonnet. Paf. Et voilà, c'est parti. Mon kiki. Pardon, Darty. Mon kiki, bien entendu. Petite référence aux inconnus. Voilà, voilà, les amis, donc écoutez, cette escalade est terminée. Ma foi, j'espère que vous avez trouvé ça assez rigolo. Moi, je m'étais bien amusé à l'époque où je l'ai fait. Ça fait déjà... ça fait déjà quand même plusieurs jours que je l'ai fait. C'est, du coup, si je dis pas de bêtises, je crois que ça faisait partie du contenu du mois de juin. Si je ne me trompe pas. Donc voilà, c'est une petite escalade sur 3 niveaux, plutôt sympa. Puis assez rapide, hein, parce qu'on a déjà eu des escalades, mais sur 5 niveaux. Donc, En général, les escalades, je suis pas déçu, à part 2-3 qui m'ont pas forcément plu. Mais bon, ça c'est après, hein, c'est la même chose, hein, tout comme l'émission ou les contrats communautaires. Il y en a qui nous plaisent plus que d'autres. Voilà, en tout cas, moi,
Cette escalade m'a bien plu, j'espère que vous aussi, ainsi que la vidéo. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à vous abonner à la chaîne. À vous abonner, c'est gratuit sur oldschoolgameuniverse.blogspot.fr. C'était Immortal71 Camille. Voilà, n'hésitez pas à partager, encore une fois. Merci à tous, bonne chance et amusez-vous bien. Allez, bisous à tous, allez, ciao.